Bienvenue à Mexico pour les Red Bull X-Fighter 2015. Évidemment avec ce nouveau projet, cette moto plus légère réalisée par Dragon Tech et l'aide de Yamaha France bien sûr. Donc avec cette moto, j'ai gagné environ 15 kilos. Je pense que sur le sport freestyle, on peut gagner encore énormément, que ce soit en innovation, en nouvelles figures. Pour moi, ça va venir bien évidemment de l'évolution des rampes, des terrains, mais aussi de la moto, parce que la moto freestyle, pour le moment, c'est plus ou moins une moto de cross. Ça va être aussi difficile à adapter les figures que je réalisais depuis presque 8 ou 9 ans sur une 2,5 YZ normale, adaptée sur une moto qui a 14-15 kg de moins. Donc on a fabriqué les pièces spéciales afin de réduire le poids de la 250YZ. On a pas mal travaillé sur le carbone, le titane et alléger les pièces d'origine. On a fait les moules pour réduire la taille déjà principalement du réservoir qu'on a fait réaliser par la suite en carbone. Donc au niveau du réservoir, des ouïes, de la selle et de l'arrière de cadre. On a modifié les têtes fourches aussi, toujours dans le but de gagner du poids. Ça a pris beaucoup de temps, beaucoup de testing. Des moteurs différents, des parties différentes pour arriver ici à Mexico avec le modèle quasiment fini. Et j'espère montrer à tout le monde que ça peut ouvrir des portes et je vais travailler pour. Troisième place avec la nouvelle moto, c'est pas mal. On a énormément travaillé pour développer cette moto. On ne savait pas la réaction que ça allait avoir ici au Mexique. Ça a bien fonctionné. On peut le voir sur les 360, etc. Sur les figures où normalement c'est que de la puissance. Maintenant, c'est à moi de travailler un peu plus, d'aller réaliser mes grosses figures, parce qu'à Athènes, je ne vais pas faire troisième.